Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit vlog de 2 jours puisque je suis en vacances d'été. Ça y est. Bref, je suis en vacances d'été. Du coup, bah, je vais pouvoir aller voir Ali beaucoup plus souvent. Bon là le temps il est pas si fou comme vous pouvez voir. Voilà, ça fait 2 jours, qu'on a de la pluie. Vraiment hier c'était la tempête. Et parce qu'en fait depuis quelques jours il fait super chaud, super lourd et tout. Donc c'était un peu normal. Et donc aujourd'hui petit vlog de 2 jours. Donc aujourd'hui on est dimanche, demain sera lundi. Aujourd'hui je vais aller voir Ali, je vais monter un petit peu tranquillou. Faut aussi que je lave les couvertures d'hiver parce qu'elles sont cracra. Et comme c'est plus la saison, bah maintenant je vais les laver, je vais les ranger dans leur housse et elles sont prêtes pour l'année prochaine. Et ensuite j'irai monter à Lille et lundi je pense que j'irai faire un tour à Pad, peut-être, je sais pas, mais du coup on verra, j'irai monter à Lille tout ça, mais du coup j'en vois rien avec moi. Je prends cette couverture parce qu'elle est toute sale, donc là il y a le couvre-cou et là il y a la couverture. Donc on l'avait déjà lavé une fois, c'est pour ça qu'elle est pas aussi crado. Et celle-là, bah, c'est la nouvelle en fait qu'on nous a remplacée parce que on avait exactement pris la même, mais elle n'était pas imperméabilisée alors qu'elle était neuve. Donc du coup, on nous l'a remplacée, donc c'est une Equitem. Donc elle a pas besoin d'être lavée puisqu'elle a jamais été utilisée, elle est neuve. Donc elle sera pour l'année prochaine. Coucou. Elle a encore grandi, c'est un truc de fou. T'es grosse. Ça, c'est ma petite machine à laver en fait. Bon, elle est un peu vieille. Du coup, on l'utilise plus. Du coup, on l'a récupérée pour nettoyer des sauces sales. Comme les affaires du rugby ou les affaires du poney. D'abord, faut que j'arrive à faire rentrer ça dans la machine à laver. Bon, après un gros forcing, c'est rentré. Maintenant, on va mettre la lessive. Un peu là. Voilà. On ferme. Et on va mettre sur 30 délicats. En attendant, j'ai quelque chose à faire sur mon téléphone, donc faut que je monte la dernière vidéo pour Equestrian Shop et après bah je vais manger parce que c'est l'heure de manger et voilà. Du coup je dénouille et en fait vous allez penser que je mange tout le temps des nouilles, mais c'est faux, c'est ce que j'en ai racheté l'autre jour. C'est qu'en fait bah les parents ils sont pas là, voilà. On peut essayer un truc, s'il te plaît. Une jolie jambette. Hé. Bonjour. Un bon poney. Prêt pour aller faire du horseball le gars. Et là, c'est Nat, super cavalière dont je suis le pire cauchemar. Allez, c'est parti, Didi. On va faire une bonne petite place. Bravo, Nat, de faire marcher les places. Ouais, je suis trop forte. Et évidemment, cette séance n'avait de horseball que le nom, puisque c'était pas vraiment du horseball, mais plus du lancer de ballon. Voilà, mais bon, c'est bien d'essayer d'autres disciplines, ça fait plaisir à Ali, voilà. Faire que de la balade, du dressage ou du saut, bah en vrai ça le fait un peu une routine. Et c'est bien aussi de la casser en faisant d'autres petits trucs sympathiques, voilà. Lui ça lui fait plaisir et en plus il est toujours partant pour faire plein de nouvelles choses, donc c'est super. Et puis en plus j'étais également pour voir comment Ali réagissait au ballon, si
Si ça lui plaisait tout ça, bon, évidemment, je vais pas me lancer dans le horseball. Voilà, je sens venir les commentaires. Tu vas te mettre au horseball maintenant? Non, je ne pense pas me mettre au horseball. Voilà, mais pourquoi pas faire de temps en temps pour se faire plaisir. Beau cheval que j'ai là. Comme le tout. Ça va. Il faut avoir les abdos super gainés. Ouais. Oh non. Ah, oh, ça c'est ballot. La lanière elle a lâché. Ça c'est ballot. Il sera là, ça va continuer toi. Les adultes tout elle cheval. Tout bascule, tout tient avec elle. Elle muscle et tout balance à l'autre cavalier. Elle est folle. J'aimerais bien avoir les galons. Tu copes, tu balances. Oh loulou poupine. Évidemment, mal lancé égale pas rattrapé.
les derniers petits lancers pour Matt. Bon, les derniers alors, massage. Après la séance, je l'ai étiré un peu, comme j'avais un peu forcé sur son dos en descendant récupérer la balle. Voilà. Je lui ai fait un petit étirement, des petits massages, et je l'ai argilé sur l'épaule, le dos et les cuisses. Mais j'ai fait ça rapidement, c'était pas très bien dessiné, mais bon.
T'aimes bien te mettre de la terre sur toi, mais t'aimes pas quand les autres t'en mettent. Je me suis dit l'intérieur faire beau demain pour pouvoir rincer ça. Oui. Non mais en vrai. Bon allez, je le ramène au pré, donc je l'ai sur le dos, sur les épaules et les cuisses derrière, donc j'ai fait ça vite fait. J'ai fait du à peu près et j'ai mis aussi sur les tendons derrière. Donc là il est tout détendu, j'y avais fait un bon massage aussi, donc franchement il est au top. Donc je l'ai argilé sur le dos et tout parce que comme je me suis penchée etc. pour rattraper le ballon et qu'il a d'ailleurs été très très mignon. Je lui dois bien de lui masser et de lui avoir argilé parce que du coup j'ai pu créer des petites tensions sur son petit dos. Donc il a été super mignon, franchement il réagissait pas trop au ballon, de temps en temps il avait peur, mais franchement c'était trop trop bien. On s'est fait des petites passes avec notre propriétaire, donc trop rigolo. Ensuite on était allé faire un petit tour de paddock, de balade, voilà, on a fait un petit galop. On a fait des petits trous dans les champs, enfin, tout tranquillou. Et là, on retourne au pré, gentiment. Et donc voilà, donc on se retrouve demain pour le deuxième jour de vlog. A tout à l'heure pour vous et à demain pour moi.